Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche qui concerne le rappel du petit dormant. C'est un grand plaisir pour moi, comme vous le savez, de vous accueillir tous les dimanches et de partager avec vous mes connaissances de l'oracle de Mademoiselle de Normand. Avant de commencer notre vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne et je tiens à vous souhaiter la bienvenue à bord et nous allons voyager ensemble tous les dimanches vers le pays de Mademoiselle de Normand, un pays rempli de guidance, de prédictions, mais aussi de conseils. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et aussi à vous encourager à vous abonner à la chaîne, car il y aura encore beaucoup plus de vidéos qui vont arriver avec beaucoup plus de rubriques. Depuis le début de cette année, vous avez pu remarquer qu'on a rajouté graduellement au fur et à mesure des rubriques à la vidéo du dimanche. Et nous allons continuer ainsi avec la question des abonnés. Nous allons aussi faire la prédiction de la semaine et aussi le petit cours qui va parler des techniques, des méthodes. Et dans cette rubrique, je vais vous donner des conseils pratiques qui vont vraiment vous aider à vous améliorer dans votre apprentissage de petit de normand et vraiment vous guider vers une réussite complète avec ce jeu formidable. Nous commençons par le cours de la semaine. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes me demandent et je trouve que c'est important de le savoir. Les gens me demandent souvent est-ce que c'est nécessaire de se protéger, de se préparer avant une consultation de cartomancie. Alors ma réponse c'est oui, il faut se préparer car dans un tirage ou dans une voyance, on met beaucoup d'énergie. On met beaucoup d'énergie, on se concentre beaucoup. Et souvent des fois, si on le fait souvent dans la journée, on a une sensation d'épuisement. Comme moi, je fais beaucoup de tirages tous les jours avec mes clients, sur Internet et tout ça. Donc, il faut que je me recharge, il faut que je me prépare pour que je puisse tenir toute la journée. Et aussi pour que ces tirages et ces voyances n'affectent pas mon énergie personnelle. Donc, pour cela, avant chaque tirage, je conseille toujours aux personnes de faire une petite méditation. Si vous êtes quelqu'un de croyant, que vous êtes proche d'une divinité, d'un saint ou peu importe, d'un guide spirituel, donc ce qu'il faudrait faire, c'est vous approcher de cette divinité et vraiment de lui demander de vous protéger dans votre tirage et qu'il soit comme un vigile, on va dire, à la porte, et qu'il guide seulement les messages qui sont vrais, qui sont tangibles, qui sont clairs, et que la source de ces messages ne vienne que des esprits supérieurs. Si vous êtes une personne qui est non-croyante, que vous n'avez aucune affinité avec aucune divinité ou être spirituel, ce qu'il faudrait faire, c'est avant chaque tirage, tout simplement vous asseoir, fermer les yeux et vous détendre, et respirer profondément et imaginez tout simplement une petite orbe lumineuse au niveau de votre poitrine et plus vous respirez, plus vous inspirez, vous expirez, cette orbe grandit. Elle grandit jusqu'à devenir aussi grand que vous, mais aussi à vous dépasser et à prendre tout l'espace de la pièce. Vous allez visualiser cette lumière blanche qui entoure la pièce où vous allez faire votre tirage. Et vous verrez que vos tirages seront beaucoup plus clairs, beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Si vous m'avez déjà consulté, vous avez déjà commandé des tirages, vous savez que mes tirages ne sont pas très longs. Mais je donne beaucoup, beaucoup d'informations dans un petit laps de temps et des informations qui sont détaillées. Donc c'est comme ça que moi je me prépare pour faire un tirage. Il est aussi important de purifier ses cartes. Vous savez, c'est comme les coiffeurs. Entre chaque coupe, entre chaque coiffure, ils vont stériliser leurs instruments. Et pour nous, c'est pareil. Parce que les cartes sont des éponges énergétiques et chaque personne qui les touche va laisser une empreinte. Et vous n'avez pas envie que le tirage que vous faites là maintenant soit influencé par l'empreinte de votre client ou de votre ami ou de la personne à qui vous avez tiré les cartes précédemment. Donc il faut entre chaque personne nettoyer ses cartes. Très important.
Vous pouvez aussi les charger pour qu'elles n'absorbent pas cette énergie. Mais moi, j'aime bien laisser mes clients toucher les tables et mettre leur énergie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de capter leur énergie et de faire leur tirage. Alors, comment purifier ces cartes? Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes. Et je dirais même autant de voyants, de médiums ou de tireurs de cartes qui existent. Il y a autant de méthodes qui fonctionnent et qui existent. Il faut choisir une qui, avec qui vous vous sentez à l'aise. Une méthode qui soit rapide, parce que si vous les faites fréquemment, comme moi, après chaque tirage, je les fais. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit consistant, mais aussi rapide et aussi efficace en même temps. Moi, ma méthode, c'est que j'ai de la sauge blanche que je brûle avant chaque tirage. Et je parfume un peu mes cartes avec cette sauge pour les purifier. Et je visualise que cette fumée, elle va rentrer dans mes cartes et elle va enlever les énergies négatives ou les énergies qui se sont accumulées. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le dépoussiérage. C'est que vous tenez votre jeu de cartes dans la main gauche et vous tapez 3 fois. D'accord? C'est comme dépoussiérer un vieux livre. Et vous imaginez toute la poussière, toute l'énergie emmagasinée qui s'échappe par le bas. Une autre méthode aussi qui marche très bien, c'est utiliser une pierre. Comme par exemple, là, moi, j'ai de l'améthyste. C'est une pierre qui est bonne pour l'intuition, pour le troisième œil, pour la connexion avec la divinité, avec les esprits supérieurs. Donc, ce que je fais, moi, c'est un améthyste que j'ai acheté pour cette intention. Et je le purifie à chaque pleine lune. Je le mets au niveau de ma fenêtre, elle se recharge. Et après chaque tirage, je mets tout simplement ma petite pierre sur mon jeu de cartes. Et c'est la pierre qui va travailler la carte et qui va absorber les énergies résiduelles. Donc, c'est des petites méthodes que vous pouvez utiliser vraiment pour améliorer vos tirages et ça aide vraiment. Parce que souvent, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, je n'ai pas d'affinité avec ce jeu que je viens d'acheter, il me parle moins, je ne comprends pas ses messages. Peut-être qu'il faut juste enlever les énergies qui se sont accumulées, parce qu'avant qu'un jeu de cartes vienne à vous, ce jeu est manipulé par des dizaines de personnes. D'abord par les personnes qui l'impriment, par les personnes qui font le packaging, par les personnes qui le mettent aux envois, au shipping. Toutes ces personnes, avant qu'elles arrivent à vous, il y a eu au moins plus d'une dizaine de personnes qui l'ont touché et ces personnes ont pu laisser une énergie résiduelle. Et cette énergie peut vous bloquer et elle peut vous empêcher de voir beaucoup plus loin. Donc, essayez une méthode rapide, une méthode facile, mais surtout une méthode qui est efficace et le plus important, une méthode avec qui vous vous sentez à l'aise. D'accord? Il ne faut pas que ce soit du forcing. Il faut que ce soit quelque chose de naturel et que vous vous sentez en paix. Alors, la question de cette semaine que je suis en train de lire, que j'ai mis dans mon petit cahier exprès pour mes abonnés. Alors, cette question nous vient de Audrey. Elle écrit: Penses-tu qu'il soit bon que l'on se tire soi-même les cartes? Et comment ne pas influencer les cartes pour avoir un tirage clair sans projeter nos espérances? Donc, je comprends tout à fait ce que Audrey veut dire, c'est que est-ce qu'on peut se tirer les cartes soi-même sans influencer les cartes et sans vraiment voir ce qu'on veut voir. Donc, est-ce qu'on peut se tirer des cartes soi-même? Oui, bien sûr. D'où vient cette chaîne? Parce que je veux aider les personnes à se tirer elles-mêmes des cartes et à être les seules personnes qui décident de leur avenir. Bien sûr, il faut prendre certaines précautions. Il ne faut pas non plus comment dire, être drogué par les cartes. Il faut aussi être un peu rationnel et mettre aussi un peu de bon sens. C'est un mélange de tout. Donc oui, on peut se tirer les cartes soi-même. Et pour ne pas les influencer, c'est que s'il vous arrive surtout un drame ou un pépin,
Ne vous jetez surtout pas sur les cartes pour avoir une réponse. D'accord? Laissez la pression, laissez le chagrin, laissez la colère, laissez l'angoisse descendre. Parce que ce sont des émotions qui sont très très fortes. Et ces émotions peuvent soit vous aveugler ou vous faire croire ce que vous voulez entendre. Donc, moi, ce que je conseillerais à une personne qui vit un drame, c'est de s'arrêter quelque temps, de vraiment de laisser partir le drame, comme je l'ai dit, de méditer. Et quelques jours après, à ce moment-là, on peut se tirer les cartes et demander conseil au jeu. Ce qu'il ne faut pas faire dans ce cas-là, c'est qu'on demande une seule question et les cartes qui viennent seront des cartes définitives. Ce n'est pas parce que les cartes vous paraissent pas bonnes que forcément les cartes n'ont pas écouté votre question. Les cartes écoutent toujours la question. Les cartes ont toujours raison. C'est nous, dans notre interprétation, qui souvent nous faisons des erreurs ou nous voulons voir ce que nous voulons voir. Donc, oui, on peut se tirer les cartes. Il faut le faire dans un esprit de détachement, d'accord? De détachement, de sérénité. J'encourage souvent les gens à se tirer les cartes uniquement quand ils se sentent bien. Par exemple, moi, je fais mon tirage annuel quand c'est mon anniversaire. Là, j'ai vraiment un grand tirage sur une année. Et bien sûr, le tirage va me donner des tendances, comme je fais annuellement pour vous. Récemment, j'ai fait les signes du zodiaque. Donc, ce tirage va me donner la tendance de l'année et bien sûr les mois qui seront difficiles. D'accord? Et je pourrais aussi, à ce moment-là, quand j'ai un problème, me référer à ce mois particulier de l'année que les cartes m'ont dit et mieux comprendre les messages. Donc, ça, on peut le faire. Et je conseille à tout le monde, vraiment tout le monde, d'avoir un petit cahier. Prenez-vous un petit calepin, un petit cahier, aussi gros, aussi petit que vous le voulez. Notez la date. Notez les tirages que vous avez fait, la question, et relisez de temps en temps, laissez quelques mois passer et revenez vers ce carnet qui va peut-être vous donner encore beaucoup plus de réponses. Donc, mon conseil, choisissez un moment propice de l'année, anniversaire, ou un jour où vous vous sentez extrêmement bien. Faites-vous un tirage personnel sur le long terme, on va dire une année, ou bien sinon sur les 6 mois ou sur 3 mois, et de là, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'identifier les mois où vous serez un peu plus coincé ou un peu plus négatif, des mois où vous serez plus positif et plus prospère. Donc j'espère que pour Audrey, cette réponse, pardon, va beaucoup l'aider, et ainsi que vous qui regardez cette vidéo, vous devez sûrement vous poser cette même question. Donc là, vous avez votre réponse, vous savez maintenant quoi faire. Pour le tirage des énergies de cette semaine, j'ai décidé de travailler avec le 2018 Le Normand. C'est mon tout nouveau jeu et beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés adorent ce jeu par rapport aux couleurs, à la réflexion des cartes, à l'harmonie des couleurs et des énergies de ce jeu. Donc j'ai décidé de l'utiliser encore une fois cette semaine pour notre tirage. Et cette semaine, j'étais plutôt guidé, hein, à faire un tirage en croix, que vous voyez actuellement. Donc, le tirage en croix, nous avons 5 cartes qui sont disposées, comme vous faites un signe de croix, de la carte du milieu d'abord, de haut en bas, de gauche à droite. Et nous commençons toujours par la carte du milieu, car elle donne un peu la synthèse, elle donne un peu la tendance de ce qui va se passer, et les autres cartes autour vont décrire plus précisément ces petites choses. Et bien sûr, la cinquième carte est la carte conseil, la carte de la réponse. Et nous avons au milieu la lune. La lune, c'est une carte d'intuition, c'est une carte aussi de réputation. Et comme on a beaucoup parlé aujourd'hui, cette vidéo a été sans vraiment le vouloir, on a parlé de spiritualité, on a parlé de protection, de se protéger, on a parlé à faire confiance à son intuition par la question de l'abonné pour savoir si on peut se tirer les cartes. Donc pour moi, la Lune cette semaine sera une carte intuitive. Pourquoi intuitive? Parce qu'elle est entourée de 2 cartes de hauteur. L'étoile, qui est
dans le ciel et la cigogne qui s'élève et qui s'envole. Donc ce sont deux cartes d'élévation qui entourent la Lune. Et cette semaine, nous allons vraiment faire attention à notre sensibilité, à nos ressentis. Beaucoup de personnes feront des rêves prémonitoires, vous aurez des sensations de déjà vu, de déjà vécu. Et ça va être une semaine assez importante et assez excitante pour beaucoup de personnes. Avec la clé nous dit que beaucoup de portes vont s'ouvrir devant nous. Déjà, la porte des connaissances, la porte de la sagesse. Nous écoutons notre intuition, nous faisons confiance à nos ressentis. Beaucoup d'événements qu'on a pressentis quelque temps de cela se précisent. Et vraiment, on avance vers un moment très important de cette année. Avec le cavalier, c'est toujours une carte d'avancement, et surtout avec la cigogne qui donne toujours un bonus. C'est vraiment s'élever, quitter ce qui n'est pas bien, ouvrir ses ailes et s'envoler plus loin. Donc avec le cavalier, ça donne de la vitesse, et on voit que les souhaits que nous avons, les choses que nous avons envie de voir progresser, avancer, vont se faire cette semaine, et ce sera vraiment au galop, vraiment rapide, rapide, rapide. Donc pour ceux qui vont déménager, qui cherchent une maison, qui veulent se relocaliser, cette semaine sera une semaine clé, car des réponses fiables vont venir à vous. D'accord ? Pour ceux qui sont un peu dans le monde du business, dans le monde du spectacle, avec la lune et les étoiles, on annonce qu'il y a une réussite. Donc, si vous avez une audition à faire cette semaine, c'est dans la poche. Ça avance à grands pas. Les projets qu'on voulait vous inclure dedans il y a quelque temps et que vous n'avez pas eu de réponse, cette semaine, vous aurez des réponses. Pour moi, c'est vraiment une belle semaine d'avancement, une semaine où vraiment on trouve son chemin et on décide vraiment d'aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a guidé aussi dans certains de vos choix à faire cette semaine et que aussi les connaissances que je partage avec vous peuvent vraiment vous aiguiller dans votre apprentissage et dans votre pratique de la cartomancie. Si vous hésitez encore à vous abonner, vraiment, n'hésitez plus, venez nous rejoindre, c'est une chaîne où on s'amuse beaucoup, où je partage beaucoup, où je lis chaque commentaire que les personnes me laissent et je prends le temps de vraiment d'y répondre, même si c'est pas un paragraphe tout entier. Je mets toujours un cœur, je mets toujours un pouce, je mets toujours un commentaire. Je vois votre intérêt que vous portez à cette chaîne et je continue vraiment à vouloir l'agrandir et à vouloir partager encore plus. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos amis, avec les personnes qui, vous savez, sont intéressées par la cartomancie et aussi qui veulent peut-être s'initier au Petit Lenormand. Si vous êtes tarologue ou tarophile, je crois maintenant, ça se dit, dans mon temps à moi, quand j'ai commencé la cartomancie, on disait tarologue. Maintenant, il y a beaucoup de termes qu'on utilise pour ce même job. Donc, si vous êtes tarologue, moi, je vous conseillerais d'ajouter le Petit Lenormand à votre pratique. Parce que vraiment, le Petit Lenormand, c'est un jeu qui donne des précisions sur le court terme, sur la vie de tous les jours. Et on peut agrémenter nos tirages du tarot avec ce petit oracle qui est vraiment rapide, c'est ce que j'aime. On a des réponses claires, nettes, rapides. On n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de cartes. 3 cartes suffisent pour avoir une réponse précise et claire. Donc vraiment, ajoutez cet oracle à votre artillerie de divination, je dirais. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous.